Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chou. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour fêter comme il se doit les 25 ans de la licence Pokémon. Nous allons revenir dans des régions que vous avez adorées étant plus jeunes. Mais avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de mettre la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. La chaîne est globalement thématisée sur l'univers de Pokémon. Je te laisse y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le meilleur starter de la première génération durant votre aventure dans la vieille région poussiéreuse de Kanto. Après avoir bouffé je ne sais combien de remakes de la première génération, nous avons presque fini par oublier à quoi ressemblaient ces jeux qui ont propulsé la licence dans les années 90. Ça rajeunit pas tout ça. Pour les plus jeunes, voici à quoi ressemblait un Pikachu à l'époque. Un tas de gros carrés pas colorés. Mais pour l'époque, c'est ce qui se faisait de mieux sur la Game Boy. Et pour donner une nouvelle claque aux plus vieux qui oseraient me traiter de millénial, votre chère première génération a maintenant 26 ans. La première formule de Pokémon, c'était de partir à 11 ans de la maison, faire du braconnage, racketter des enfants après avoir tabassé leur sale race de pixels et affronter une mafia italienne qui faisait de la revente illégale de queues de Pokémon. Dit comme ça, c'est la meilleure génération de Pokémon qu'ils avaient jamais créée. Les starters de cette région sont Salamèche, le type feu, Carapuce, le type eau, et Bulbizarre, le type plante et poison. On voit déjà qui est le chouchou des développeurs, hein. En plus de ça, Bulbizarre est le seul des trois starters qui obtient le plus vite son évolution finale. En effet, Herbizarre évolue en Florizarre au niveau 32, tandis que Carabaf et Reptincelle évoluent au niveau 36 en leur évolution finale. Les premiers starters ont pour défaut d'avoir des stats assez basses, réparties assez moyennement, et sans vraiment de rôle stratégique bien défini comme on peut avoir dans les générations les plus récentes. La meilleure stat de Florizarre était son spécial, car oui, en première génération, l'attaque spéciale et la défense spéciale étaient regroupées en une seule stat. Et ouais, ça donnait de joyeux bordel tout ça. Dracaufeu était un Pokémon assez moyen à l'époque, avant qu'il ne devienne un des Pokémon préférés de nos grands-parents. Dans Rouge et Bleu, Dracaufeu n'avait que sa stat de vitesse qui était à 100. Le reste était assez moyen dans les 80-85. Il sera un des premiers Pokémon à obtenir un buff de statistiques dans les versions or et argent. Mais pour cette vidéo, il sera malheureusement pas dingue. De la même manière, Tortank n'était pas fou du tout dans la première génération, avec juste un pauvre 100 en défense. Il obtiendra aussi un buff de sa statistique de défense spéciale en 2G. Mais pour cette vidéo, il faudra se contenter de stats moyennes ne dépassant pas les 85. Le rival est le maître de la ligue. Le rival de cette version n'est autre que le petit-fils du professeur Shen. Bon, ce vieux fou aura oublié son nom et vous pourrez lui donner un nom complètement éclaté au sol. Il prendra toujours le Pokémon qui vous bottera le cul en début d'aventure. Son équipe finale, en tant que maître de la ligue Indigo, variera en fonction du Pokémon de départ que vous auriez choisi. Son équipe n'est pas très impressionnante vue comme ça, mais ce qui vous portera préjudice sera la différence de niveau entre vos Pokémon et les siens. Ces attaques vous feront très mal, voire vous atomiseront si vous ne vous êtes pas soigné après avoir battu le Conseil 4. Niveau puissance brute, Florizarre sera celui qui s'en sortira le moins bien, tandis que Tortank aura un petit plus de chances de survie et d'atomiser un plus grand nombre de ses Pokémon tout seul. Les champions d'arène. Le premier champion d'arène de Kanto sera Pierre. Son équipe sera un véritable enfer pour Salamèche. Les deux autres le passeront très facilement. Rebelote contre la deuxième championne, Ondine. Histoire de donner plus de difficultés aux joueurs qui ont pris Carapuce, le troisième champion vous explosera avec son arène électrique. La quatrième arène de type plante mettra enfin le starter feu en valeur, à force de s'être fait brutaliser depuis le début d'aventure. Pendant ce temps, Bulbizarre vivait sa meilleure vie, mais il commencera à avoir des difficultés
affronter face à la reine Poison qui sera le début de sa descente aux enfers avec la reine Psy et Feu qui suivront juste derrière. Le starter haut reprendra enfin l'avantage vers la fin de votre aventure en vous facilitant les matchs contre la reine Feu et Sol. Le conseil 4. Le conseil 4 de Rouge et Bleu est à la fois éclaté au sol et à la fois il t'éclate au sol. La première championne de type glace sera assez easy à battre pour Florizarre. Attention tout de même à ne pas être gelé par une attaque glace, car en première génération, être gelé signifiait que votre Pokémon devenait inutilisable. Le champion Aldo mettra Dracaufeu en difficulté. Tortank et Florizarre auront plus de chances d'y arriver. Agatha, la spécialiste de type poison, je veux dire de type spectre, même si franchement on ne va pas se mentir, c'est une équipe de type poison plus que de type spectre. Son combo le plus relou sera Hypnose et Dévorev, mais sinon elle ne sera pas très compliquée à battre. Le dernier membre du Conseil 4 n'est autre que Peter. À moins d'avoir un Dracolos dans votre équipe vous aussi, mais sinon vous ne taperez jamais efficacement contre ces deux Dracos et son puissant Dracolos. Les randoms Léviator et Ptera seront gérables par Tortank et Florizarre. Dracaufeu ne sera globalement pas le meilleur choix pour battre ce Conseil 4. La Team Rocket. Les premiers vilains de la franchise sont une sorte de représentation de la mafia. Puisque le type ténèbres n'existait pas encore, leur type de prédilection était majoritairement le poison. Globalement, ils n'ont pas été codés pour être dangereux ou vous poser quelconque difficulté. Ils sont juste méchants pour être méchants. Ils sont assez plats et leur ambition consiste juste à être méchants. Fallait bien commencer quelque part, j'ai envie de dire. Que je suis méchant. La conclusion. Même avant de vous donner le classement final, nous pouvons juste, en analysant en brut, déceler déjà quel starter aura été privilégié par les développeurs pour vous faciliter votre aventure. Le plus gros défaut de la première génération est qu'elle soit la première génération. Elle a été la plus populaire pendant très longtemps car c'est avec cette génération-là que les enfants des années 90 ont découvert Pokémon. Mais aujourd'hui, dire que Rouge et Bleu étaient les meilleurs jeux Pokémon, ce n'est plus trop vrai. Les graphismes, on n'en parle même pas. Les plus jeunes d'aujourd'hui ne supporteraient pas de passer de jeux Super HD de la Nintendo Switch à ces vieux tas de pixels tout moches. Mais surtout, l'aventure est très simple. Il n'y a aucun véritable enjeu aussi prenant que dans les générations qui ont suivi. Et surtout, la difficulté du jeu est assez relative. C'est notamment à cause des instructions des PNJ pour s'orienter correctement sur la map qui rendent le jeu un peu trop compliqué à certains moments. Oups! Trop de sel. Sel à part, pour en revenir au sujet de la vidéo, voici le classement des starters de la première génération. En numéro 3, le starter feu. Dracaufeu est extrêmement mauvais en première génération. Son type vol l'immunisera contre le type sol, certes, mais plus de la moitié des gros challenges de votre aventure vont vous démolir sur place. En numéro 2, le starter eau. Tortank est un bon Pokémon défensif qui vous facilitera la vie à certains moments de votre aventure. Il vous permettra de battre assez facilement le Conseil 4 et vous fera vivre une aventure avec une difficulté assez intermédiaire, ni trop dure ni trop facile. En numéro 1, le starter plante. Malgré son type plante, Florizarre est de loin le starter de la première génération qui vous facilitera le plus le jeu. Ses stats sont bonnes pour l'époque. Son double type vous permettra un début d'aventure assez calme, juste assez de temps pour que vous trouviez d'autres Pokémon puissants qui compensent ses quelques faiblesses. Le dernier champion d'arène ainsi que la moitié du Conseil 4 ne sera pas trop difficile à passer. Et n'oublions pas qu'en première génération, c'était le starter avec le total de statistiques le plus haut. Il a 525 alors que les deux autres n'en ont que 510 en première génération. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne en appuyant sur la cloche de notification pour ne rien louper et de me suivre sur mon Instagram, lien dans la description. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. En attendant la prochaine, je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde !